On s'est aperçu qu'à travers nos différences, il y a pas mal de choses qui étaient similaires. Donc on s'est dit qu'enfin, on s'est aperçu que nous deux, on était assez réciproques et que dans notre état d'esprit, on était assez donnant. C'est-à-dire que, par exemple, en concert, on va donner 100% de nous-mêmes et on aime recevoir 100% du public et vice-versa. Dans tout ce qu'on fait, on aime bien que ce soit réciproque. Musicalement, c'est quoi vos influences? Il y a deux types d'influences, les influences rap et les influences qui sont plutôt la source, quoi, là où on puise nos inspirations. C'est-à-dire pour tout ce qui est tempo, tout ce qui est groove, on va écouter beaucoup de... Nous, on n'écoute que du West Coast, quoi, du rap West Coast, c'est-à-dire la Californie, Los Angeles, tout ce qui est donc N.W.A., Bob of the Low, le plus ancien, maintenant Snoop Doggy Dogg, Dr. Drake, ancien et nouveau, quoi, si on veut. Et sinon, au niveau source, ça serait plutôt tout ce qui est Curtis Mayfield, tout ce qui est 70s, quoi. La soul californienne, toujours 70s, Curtis Mayfield, les Brothers, The Meters. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas allé enregistrer à Los Angeles? On a travaillé avec Volodia, qui a travaillé pourtant avec des gens en France qui n'ont rien à voir avec le son West Coast, puisqu'il a fait Menelik, il a fait NTM, qui est plutôt New York, les gros beats et les basses lourdes. Mais on s'est dit qu'en fin de compte, en écoutant bien ce qu'ils faisaient, nous, on peut réussir à avoir le même groove. Quoi. C'est pour ça qu'on a voulu travailler avec des musiciens français, excepté les guitaristes. On a pris les guitaristes de Jamiroquai. Là, il y a le morceau Balance-toi qui est sorti. On lui demande à chaque fois, ouais, mais vous avez utilisé quelle reprise, enfin, quel disque pour sampler, tout ça. On leur dit non, on l'a fait nous-mêmes. Mais d'où là, ça en étonne beaucoup. Parce qu'ils se disent, mais non, pour faire un morceau comme ça, t'es obligé d'avoir de prendre ça sur un disque, de faire une reprise. Harmony, ça fait longtemps que vous la connaissez? Vous l'avez rencontrée comment? Ça fait 4 ans qu'on la connaît. On l'a rencontrée en soirée et puis on s'est revus. Elle a laissé des messages sur mon répondeur. Un jour comme ça, on a chanté dans la pièce et puis on s'aperçoit qu'elle a un timbre de voix qui nous a beaucoup, qui nous a plu, quoi. Donc plus, 2 jours après, on est parti en studio, elle a essayé, elle a poussé la chansonnette et on s'est aperçu que c'était ça le faisait, quoi. Question idiote, ça veut dire quoi pour vous, Libre comme l'air? Chaque morceau, c'est un jour, en fait, dans notre album. Et on arrive au début de semaine, assez dur à se lever et tout ça. Bon, après, chaque jour, enfin, plus on rentre dans l'album, et plus, bon, il commence à se passer pas mal de choses. En fait, à la fin, voilà, la tension monte, et à la fin, si vous ne me prenez pas la tête, je suis libre comme l'air. On se décompresse, quoi. En fait, le morceau lui-même, ça résume à ras-le-bol tous les ans, quoi. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Nous sommes tous au rendez-vous, il n'y a pas eu de naufrage. La tournure des vacances est partie pour faire des étincelles. On fait donc attention de ne pas faire d'excès de zèle. En parcourant les environs, les barbes qui s'enflamment. La vie est belle, entourée de toutes ces femmes. Aucune péripétie ne bouleversera ce séjour. Car nous savons ce qui préserve de tout, sauf de l'amour. Donc pas de prise de peine, car c'est le bon confort. Nous restons libres comme l'air pour un état d'esprit plus fort.
créer. Les vacances se battent en plein au point qu'on a tous oublié que la fin est proche. Vite sur nos bouches, retour dans nos quartiers, puis changement de cosmos, changement de décor, prévu dans quelques heures. Passons de l'air marin au gaz toxique des moteurs. Cela se termine, nous n'avons pas le choix. Danser déjà, nous pouvons prendre rendez-vous dans 11 mois. Voilà, c'était tranquille, mais toutes choses à une fin. Les photos de nos séjours tapisseront mon papier peint. Nos magnétoscopes tourneront comme des moulins à vent. Pour s'énumérer ces moments filmés en délirant. Le moteur du véhicule annonce que tout est bien fini. Et c'est parti, j'entends ma dernière canette de 8-6. On laisse passer le temps qui nous reste sans aucun remords. Nous restons libres comme l'air pour un état d'esprit plus fort. Libres comme l'air, libres comme l'air. On reste libres comme l'air. Libres comme l'air. Réciproque est dans la place, yeah. Épaulé par la basse-cour.